entre les E, les fails et les petites chutes buggées, hein, on y était à fond dans la partie 2. Mais dans cette partie 3, ça sera différent. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 3 de Sonic Heroes. Enfin, on commence déjà bien avec des loopings. C'est de la folie. Et ce niveau est sympa aussi. Et il y a une assez... je trouve qu'ils ont trouvé une bonne idée avec les grenouilles. C'est que quand elles nous repèrent, elles font des intempéries. Voilà. Il pleut. Et... Ça fait pousser des plateformes venant de plantes, quoi. Ou de champignons. C'est une bonne trouvaille. J'ai failli tomber. Le premier fail de la vidéo, en même pas 2 minutes. Ah, là ça se passe bien, là ça se passe bien. Vous allez peut-être enfin voir un A, à part le premier niveau. Même si les niveaux sont très longs. Attends, on va attendre, on va tout sauter ici. C'est assez joli. Même si on voit moins vite que d'aller tout de suite sur les espèces de lianes. Oh purée! Ah là, faut tous les tuer. Pour libérer la petite grenouille qui va tout faire pousser. Gentiment. Sagement. Ah, c'était ici que j'ai failli tomber quand même. Une bouse quand j'avais fait le montage pour l'OST. J'ai failli tomber à cause de du mur invisible créé par Tails quand on vole. C'est le royaume champignon en fait. On sait pas, mais on est dans le royaume champignon là. On est chez Mario. Purée, checkpoint. On sait jamais, hein, en cas de fail. On est jamais à l'abri d'un fail. Petit truc d'invincibilité. Ah, faut peut-être libérer la petite grenouille. Et plus tard, il y aura des grenouilles aussi qui feront le contraire de celle-là. Elles feront dépoper les plateformes. Donc faudrait faire gaffe. Ah, ça sent la note de ouf. Ne m'applaudissez pas. C'est... J'allais forcément faire un A. La jungle perdue. C'est un nom très original. Il est assez joli ce niveau.
Ah, c'est la première fois qu'on rencontre ces robots-là. Et qu'on fait la cause de Knuckles. Ça sera pas une première, ça. Purée. Non. Je n'ai plus d'anneau. Bon. Ah, c'est la technique sécurisante. Avec Tails. Prendre Tails à chaque fois, quand il y a des plateformes. Donc là, vous avez vu, la grenouille a une autre couleur, donc celle-là, elle fait dépoper les plateformes. Il y a quelques plateformes qui poussent grâce à l'appui. Ce niveau-là n'est pas si long que ça, je crois. Moi, je me suis viandé. Ah, là, j'aurais pas dû le voir. Ça s'est mal fait par contre, les pics qui ressortent du vaisseau. C'est la nouvelle invention de Dr. Eman. Ah, il veut pas. Il veut pas mourir! Ah non, faut pas se mettre en mode. En mode de planage de texte. Si on se met en mode vol, eh bien on aura un vieux mur invisible. Bon, ceux-là ils m'énervent. On les one shot. Ah, et un niveau pour Sonic, c'est la classe. Ah non, ah, il a même pas vu, mais il est aveugle. Elle est aveugle, cette grenouille avec des yeux exorbités pourtant. Oh là là, ils sont nombreux. J'aurais pas dû utiliser direct l'attaque. En plus, ça servait pas à grand chose parce que la team blast. T'as ce bourrinage. Je crois qu'on va bientôt avoir la phase avec la grenouille à la fin. Oh, la grenouille. Je sais plus ce qu'ils nous poursuivent, un crocodile. Bon. Ce vieux fail. Mais la caméra, elle se place tellement mal. Oh putain, encore ces ennemis de merde. Ils sont à moitié rentrés dedans en plus là. Ah, c'était du gâteau de tomber dans l'eau. On sprint. Voilà, regardez-moi ça. Quel cut magnifique. Ah, c'est peut-être là. Ah non, peut-être pas encore. Bon, finalement, ce niveau est long comme les autres. Got it.
J'ai failli tomber. Toujours prendre Tails hein, dans ces phases de plateforme. Toujours. C'est la maniabilité est un peu mieux au niveau des sauts. Et en plus de ça, on peut voler. Voilà, on fait pousser les plateformes. Y a-t-il un champignon hallucinogène pas loin? Laissez-moi faire. Je vais fail comme vous. Ah là c'est la fin je crois. Ah peut-être pas encore, purée, mais c'est long. C'est long. Voilà, oh. J'ai cru que j'allais tomber. Oh, c'est loin. Attention, je ne parle plus. Concentration. Putain, c'est... Comment il s'appelle? J'ai un vecteur, je crois. Le crocodile. Et là, c'est son pote, c'est son cousin. Voilà, c'était le final. Chaque fois un final assez classe, hein, à la fin du deuxième niveau. Voire premier, des fois. Mais souvent du deuxième niveau pour bien conclure le monde. Et on conclut très bien le monde avec un C. Look, it's that hedgehog. Wonder what the big rush is all about. Bet you those guys will end up getting in my way and making trouble. Hey, isn't that... Sonic! Talk about being stubborn and full of surprises. Long time no see, boys. Too bad you had to come all this way for nothing. We'll take it from here. What'd you say? Sensors locked on Eggman. Non-compliant intruders will be destroyed. Didn't you know? We have a date with Eggman, too. Is that so? Well, then, it'll be a date to die for. Hey! That's my line! Let's go. On va se faire la team Dark. What was with that hedgehog? It looked like my twin. Attention, oh là, ce fail, mon dieu, c'est la catastrophe. On se fait défoncer. Ouais, il est surexcité, lui. Mais pourquoi ça le vise pas? Ce combat d'affirme. Eux, quand ils sont assommés, c'est pour 2 secondes. Putain, mais je suis mort, moi. J'ai plus de Tails. Je suis mort. Ah, d'accord. C'est une blague. C'est beau. Quel IA incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Enfin, je voulais voir ce que c'était, mais bon. De toute façon, on était mort. Hein. Il n'y avait plus Tails. Ça veut plus rien dire quand même, plus Tails. Ouais, et quand il y a Tails, voilà, au revoir. On bourrine, on bourrine. Putain, mais quel combat incroyable. Ça, c'est, je pense, quand ils avaient plein d'idées. Ah, pas de boss, bon, bah, on va prendre. On va aller faire combattre contre l'autre team. Hein. Putain, mais. Ils ont rouge là.
Pas vrai. Et l'autre qui se suicide avec moi. C'est énorme. Shadow qui est mort en premier direct. Voilà, le robot il est enfin dégagé. C'est un gros lard, le robot. Ouais, c'est un peu un combat de la chance, quoi. Voilà. J'ai eu A en perdant 3 fois. Hong Castle. Le château hanté. Sonic, you sure this is the right way? I saw Shadow and Eggman head this way. This has gotta be the right way. But it's so spooky here. Maybe that's the ghost of Shadow we saw earlier. Stop it, Knuckles! Toujours avec des petites blagues. On va se faire ce Hong Castle et après on va se quitter. Bon, on est là qui à la moitié de la vidéo. Ouais, 30 minutes c'est plutôt pas mal. Je me disais 25 minutes au début, mais finalement un petit 30 minutes à chaque fois, à chaque partie. 35 minutes. Je me dis que c'est pas mal. Et la particularité de ce niveau, c'est que à chaque fois on touche ces espèces de sphères avec une écriture chelou japonaise, et bien on se retrouve à l'envers du stage, et là on se retrouve à l'endroit. Mais où sont les interrupteurs? Il y en a un tout là-haut. Ah ok. J'ai complet. Putain, il y avait une vieille moto qui a fait énormément de bruit là. Je sais pas si vous allez entendre. Yeah. Voilà, on fait tout à l'envers. Donc on vient de voir qu'il y a un rail en dessous de la route. Très logique. C'est logique, c'est stylé. Ah et là, ils nous disent il y a peut-être un chemin invisible le long des toits. La musique est un peu chelou quand on est à l'envers. Et d'ailleurs, il y a un mode dans Sonic Generation où il y a ce niveau. Sauf que il a un level design bien différent. Mais c'est Hong Castle. Et ça a vraiment été bien foutu. Ce vieux fail. Qu'en se passe-t-il? Je ne comprends plus rien. Je me suis pris le mur et après je suis tombé et tout est à l'envers. Aurais-je trop bu? Mais ouais, je fais gaffe à pas tomber. Alors là, il y a le magicien. Ce qui est chiant avec le magicien, c'est qu'il soigne à chaque fois les ennemis. Donc il faut le tuer rapidement. Parfait. Oh purée, ce vieux fail. Pas de problème. Et ils essayent de nous faire peur avec ces fantômes.
des screamers, citrouilles. Ah, c'est ici qu'il y avait l'interrupteur en dessous. Sonic niveau 3, hein, ils font pas trop long feu. Hein. Les Sonic niveau 3 là. Qu'est-ce qu'il doit y avoir plus tard hein. Merde. J'ai entendu que somewhere. Du coup. Je lis pas trop les sous-titres. Furie. Magnifique. Allez, un switch sans doute. Un interrupteur qui switch. Oh là là, mais quelle infiltration là. Là on est dans du Metal Gear Solid. Je me suis fait repérer. Magnifique. Eggman's got some serious problems. Look at that statue. Mais... Mais... Je suis nul au fléchage, non ? Ah, purée. C'est cette statue. Si seulement on pouvait péter le mur. Ah là je pense ça sent la fin. Avec une zone bien speed comme ça à la fin. On monte de la tour. Et la plus haute tour. Jump! Yes! Je sais plus si j'ai fail. On va bien le voir. Ouais, j'ai fail, hein, je pense. Le prochain niveau, qui a un thème magnifique, je vais vous laisser écouter ce thème. I wonder what's next. Feels like Halloween with all these ghosts. Got it. Shit. There they are. Even to me, Sonic. Here we go! Leave it to hey, me! Hey, I think that this thing may fall on us if we step on that shadow. Let's go! Wait! Level up! Look at all those Eggman robots! Ah! Got it! Shift! Shift rock! Shift! Take this! Shift rock! Shift rock! Shift! Moi voilà. Le petit thème sympatoche. C'est vraiment un thème excellent, je trouve. Là, on a déjà perdu Sonic. Sous-sprint, sous-sprint. Putain, ça va trop vite.
Ouais, moi. C'est un peu trop scripté, là, c'est trop facile. Et là, petite énigme en switchant d'interrupteur. Ah bah d'accord. Direct, c'est le bon truc. Quel talent. D'accord. Il y a un petit truc sympa aussi. Oh, on va assez vite avec Tails. Attention. Alors là, faut péter un mur. Ok, la porte était fermée. Faut péter l'autre mur. Bon, l'ennemi, c'est pas que je m'en fous, mais... presque. Ah, y a le squelette qui nous a fait un petit coucou. Allez, la particularité là, c'est que on fait vivre des ennemis en touchant l'interrupteur. C'est comme si l'interrupteur se passait dans un autre temps. Enfin, qu'il y a deux mondes parallèles qui se passaient dans un autre temps. Enfin, qui se passent dans un autre temps. Ça ne parle pas très bien la flamme. Vite! Alors je crois que je pourrais faire l'attaque de ouf. Ah, faut tomber. Que dire de plus? Pour l'instant ça se passe bien. J'aime bien cette phase là. Je passe sur les rails avec l'espèce de carte. Et on va aller au-dessus pour avoir une one-up gratos. Oh là là, ce fail. J'avais prévu d'avance pourtant. Et j'ai sauté trop en avance. Ouais, voilà. Bientôt au boss avec les ennemis, attention. Il n'y a que des ennemis comme ça. Je vais me mettre en mode Tails, parce que voilà. J'en ai rien à battre de cette énigme. Ah, et là c'est un peu chelou. Et là on a à chaque fois une phase, cette phase là avec Sonic, l'autre phase avec Tails, l'autre phase avec Knuckles. Vous voyez quand même que c'est assez original. Une phase avec Sonic, évidemment, qui dit phase avec Sonic dit homing attack. Phase avec Tails. Ouah, mon dieu, j'ai mal aux yeux. Qui dit phase avec Tails dit voler. C'est parfait. Parfaitement bien intuité, monsieur. Et la phase avec Knuckles. Qui dit phase avec Knuckles dit... la tâche de couille. Je vais prendre une Knuckles parce que sinon ça va pas trop marcher. On se fait pas chier. On va pas le tabasser avec Knuckles sur une si petite plateforme. C'est un peu trop compliqué. Et là je pense que ça va être la fin du niveau. Et bah ouais.
avec le magnifique jardin au loin. Attends, mais on est dans le château de Versailles, c'est pas possible. J'adore les JPEGs. Ouais, c'est facile. Et le boss. The final boss dans cette version. Version boss ennemi. Trying to stop us now? What a joke! What did you say? Now I'm really mad! Get them! Oula. Prends tes cachets, Docteur Eggman. Il est bien énervé. Attention. Ah, c'est que des ennemis avec 3 points de vie, donc c'est plutôt simple. Et par la suite, on va avoir des ennemis chelous, relous, prise de tête. Oh ça, Docteur Eggman. Non. Ouais, Taze est vraiment hyper fort, je trouve. Non, dans cet épisode, c'est pas rien du tout. Et voilà, on va switcher à chaque fois. Passer d'un coup contre les tortues, mais j'en ai marre les tortues, donc allez vous faire foutre avec cette attaque. Voilà, maintenant que les tortues se sont barrées, d'autres ennemis chelous. Et on la tronche de Dr. Eggman. Ah. Ah et voilà, ceux-là. Ils sont vraiment relous, ceux-là. Parce qu'ils se soignent à chaque fois quand il y a une note de musique. Oui. Mais crève. Ils se soignent non-stop, là. Oula, purée, c'est toute une invasion là! C'est toute une armée! J'ai plus de vie, j'ai plus de vie! Ah, c'est des anneaux ça! C'est Tipar! Grâce à 5 anneaux, nous avons le pouvoir du Team Blast! Mais venez là! Faut que je fasse un petit B! Et on a des trucs gros. On a des trucs plus costauds en un coup. C'est magnifique. Et par contre, il meurt pas avec Tails. Ils sont ignobles ceux-là. Allez, bah. Ça, c'est une attaque quand Knuckles est au niveau 3. Ah oui, Knuckles a une attaque en plus au niveau 3. Ah, c'est dévastatrice le machin. Voilà, dévastatrice. Voilà, mais c'est Space Invader. Il y a pas que dans Rayman 2 qui a une référence au Space Invader. Bah, j'ai préféré faire l'attaque directe parce que même si on n'était pas trop obligé, c'est toujours mieux. Car j'étais un peu dans la merde, j'avais plus d'anneaux. Et where is the last enemy? What's the matter? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Non. C'est horrible quand il n'y a plus Sonic et Knuckles avec Tails. C'est la cata. Là c'est la fin, c'est la dernière phase je pense. J'espère. Oh mon dieu. Je crois. Je crois que c'est la dernière phase. Heureusement qu'il y a cette attaque. Don't get too excited boys. Those were the easy ones. C'est qui le boss? Et voilà, ce fut une magnifique victoire de Oliver Plasma contre l'armada de Dr. Eggman. Wow.
Quoi? C'est tout? C'est vrai, il a raison, là, c'est tout? Que B? Attends, j'ai joué comme un big boss, là. J'ai pas compris. Ah, et là, c'est le dernier niveau, je crois. Quoi, il y a toute la flotte, toute l'armée de, du Dr. Eggman. Et vous verrez tout ça dans le prochain épisode. Alors, voyure pour de nouvelles aventures.